Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le quatrième épisode de ma carrière joueur, toujours avec Venice. Et du coup, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, ça s'était globalement moyennement passé parce que on était notamment passé par une défaite contre Brescia, notamment 2-1, dû à ma perte de balles, enfin mes pertes de balles dans ce match. On avait fait également un nul. Je crois que c'est contre Bari, mais je suis pas sûr du tout. Heureusement, on avait gagné le premier et le dernier match, donc on avait commencé et fini en beauté. Du coup, dans cette vidéo, le programme, on a d'abord un match contre Com. Ensuite, le gros choc de ce championnat face à Genoa. Les premiers, ça va être un très beau match à l'extérieur en plus. On affrontera également Palerme. Et je pense qu'on finira sur Cittadella. Ce sera déjà pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo déjà pour commencer, à vous abonner, ça fait super plaisir, et à commenter hein, ce que vous pensez du contenu et ce que je pourrais améliorer. Je suis à l'écoute pour vous proposer le meilleur contenu possible. Donc niveau classement les gars, on va faire un petit point. Bref, on est 3ème à 2 points de Genoa. Mais du coup Genoa, ils sont égalité avec Cagliari premier. Ok, et les deux, ce sera deux grosses équipes à affronter cette saison. De toute façon, je pense que ça va jouer entre nous trois pour les monter, en tout cas les premières places. On verra ça. Avant ça, il y a ce match en tant que remplaçant, les gars, malheureusement, parce que dû à mes mauvaises performances, ils m'ont remis sur le banc. J'ai pas eu le temps de m'entraîner. L'espace était trop court. On va voir côté info s'il y a du nouveau qui peut nous intéresser. Leader passe décisive, c'est Cherichev. Ok, 5 passes D en 10 matchs, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'équipe de la semaine, est-ce qu'on en fait partie? Non, ok. Et le duel Venezia comme, ok. Bon, ils mettent en affiche alors que je suis remplaçant, mais bon, on va faire avec. En tout cas les gars, j'espère que vous, ça va. On va y aller directement pour ce match. Fabregas, ils ont ok. On perd 1-0 et je rentre du coup à la 58e minute pour tenter de renverser et d'inverser cette tendance. On va y aller les gars. Il nous faut une victoire d'entrée pour montrer aux Genoa qu'on n'est pas là pour blaguer. Et ensuite du coup leur passer devant, parce que sans cette victoire, ça va être très compliqué. Donc concentration maximale. J'avais déjà oublié que c'était cette caméra, mais on va s'y faire. Allez, pour nous déjà. Ok, dans l'axe, il m'a très bien vu. Allez, la frappe, ça lui revient dessus. Oh là là, le but incroyable, il lui a remis dessus. Et Bougio, qui vient marquer, lui qui marque souvent quand il faut, il prouve encore une fois, magnifique. J'ai voulu me la tenter en solitaire, je sais pas si c'était possible la passe. En tout cas, il me l'intercepte, mais Bougio qui suit bien. On égalise déjà d'entrée de jeu les gars, et on va aller gagner ce match. Ok, beau ballon. J'y vais, j'ai le champ libre. Je la tente, comme d'habitude, est-ce qu'il arrive à suivre? Putain, dommage. On a le corner, c'est déjà pas mal. Allez. Un beau centre, ça arrive sur ma tête. Ça retourne en arrière, putain. On reste au centre. Ok. 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 Ah, j'ai pas pu. Putain, pourtant j'ai pas contrôlé en profondeur, mais je sais pas. Allez, le pressing jusqu'au bout. On la récupère. Je suis debout. Je m'appuie. Allez, encore. La frappe. Oh, dommage. Bien. Ah là là, on finit sur ce nul. J'ai vraiment fait une mauvaise entrée en matière là-dessus. J'ai rien foutu. Les peu de choses que j'ai fait, je pense pas que c'était les bons choix. J'ai pas eu de face-à-face, on va dire, dans les meilleures conditions. Et du coup, on arrive seulement à obtenir un nul, et encore, c'est même pas grâce à moi. En plus, Cagliari qui s'est imposé, j'ai pas vu pour le Genoa comment ça s'est passé de leur côté. Mais putain, qu'est-ce que c'est dommage. On va directement s'entraîner pour pallier ça. Parce que sinon, on va pas être titulaire, ça c'est sûr. Tac. Ok, niveau classement. Ok, le Genoa... Je crois qu'ils ont fait nul.
Ou alors ils ont perdu, je sais pas, mais en tout cas, ils sont qu'à un point de nous. Ça, c'est le point positif. On va voir ça. Ouais, ils ont perdu, ok, contre Ternana. Ok. Ah ouais, ils ont affronté le top 4 aussi. Ok. Ouais, il faut absolument gagner ce match. Par contre, Kagdari, j'ai peur qu'ils s'envolent. Va vraiment falloir les gagner eux aussi quand on les affronte. Mais déjà, faut gagner celui-ci face au Genoa. Je vais juste voir si il y a d'autres trucs. Mais je pense que c'est bon. On va continuer directement, les gars. Allez, on y va pour cette rencontre. On joue à 5 défenseurs. Ils ont Strootman, le Genoa. Ok, c'est vrai qu'il avait signé là-bas. Ça va être chaud. C'est la rencontre de cette vidéo. Face au Genoa à l'extérieur, il faut prouver qu'on est parmi les meilleures équipes du championnat et qu'on vise la montée. Et je pense que c'est le match idéal. En plus, je suis titulaire, donc j'aurai vraiment pas d'excuses. Ce sera moi et moi-même. Allez, on y va. Il nous faut cette victoire. Putain, il est tout seul alors qu'on est 4 autour. C'est quand même un truc de fou. Je vais aller le prendre moi parce que. Okay, ben même moi je peux pas, ça revient sur eux en plus. Je vais la remettre dedans, je pense. Ok, non. Non. Ça joue bien dans les petits espaces de leur côté. Il arrive à le trouver. Oh, le poteau qui nous sauve, les gars. Le poteau qui nous sauve. On n'arrive pas à se dégager un ballon et ça revient directement. Et c'est but. Logique. Logique. On ne sait pas mettre un ballon à terre. Je sais pas ce qu'on fout. C'est. Je sais pas ce qu'ils font avec leur tête, mes coéquipiers, mais c'est pas comme ça qu'on va gagner, ça c'est sûr et certain. Allez. Bien. Allez. Ça par contre c'est une belle action. Il décide de me la remettre. Je la croise. En force, c'est l'égalisation. Elle est belle. On va les calmer. Parce que là, ils allaient s'envoler avec cette victoire. Heureusement, on construit bien une seule action et on marque. Comme quoi, on peut le faire, les gars. Il faut croire en nous, mais juste, il faut poser ce jeu parce qu'on le fait vraiment pas assez. Non. Attention! Allez, c'est bien construit. Je lui mets en profondeur. Oh là là, complètement raté de sa part. Ah, dommage, putain, j'allais partir seul. En tout cas, on rentre au vestiaire avec un but chacun. En vrai, il y a moyen, les gars. On s'est très bien rattrapé, mais par contre, jusqu'au premier but qu'on s'est pris, on se faisait dominer, mais vraiment, c'était pas possible. Cagliari qui mène encore pour changer. Niveau stats, est-ce qu'ils dominent? Je pense que oui. Ouais, ils ont quand même fait beaucoup de tirs au début, c'est vrai. À nous, du coup, de montrer que on peut le faire. Allez, pas mal fait. Pas mal fait. S'il arrive à me la mettre, je peux l'enrouler. Oh l'arrêt. Oh, incroyable. Je pense que j'ai pris la bonne décision d'enrouler. Mais alors quel arrêt. Allez. Putain, c'est pour personne. Ça revient. Ok. Je me réappuie, ça sert à rien. Là par contre, je peux frapper, dommage. Tu peux. Vas-y, j'y suis. Je l'enroule encore une fois. Allez, ça revient. Je la redemande, les gars, je suis tout seul. Hein. Je la redemande, je suis tout seul. Et je la tente. Oh là là, l'arrêt. Allez, allez. On les fait souffrir, là, c'est bien. On prend le jeu à notre compte. Pourquoi pas une tête. Dommage. Oh la grosse faute. Ok, c'est moi qui tire. Écoutez, je vais tenter de la mettre hein, tant qu'à faire. Allez, on va la mettre à peu près là. Et comme ça, je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est pas mal du tout. La tête! Oh là là, qu'il était beau ce centre. Dommage. Allez, essaye de me viser, ce serait cool. J'y suis. Putain. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais ces corners. Allez. Je la tente même si elle est loin. Oh là là, la claquette encore. Allez.
Allez, la belle passe, elle est magnifique, il faut finir. Non, il a mis le poteau. Non. Ouh là 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 là, si on l'encaissait. Allez. Non, comment il peut tirer, les gars, là? Allez, derrière. Il est pas mal, mon ballon. Il peut s'avancer. Allez. Je tente de le dribbler. Oui, c'est bien fait. Je finis. Non, ce qui sort. Oh, c'est dingo. J'ai voulu la jouer en finesse. Je pense que là aussi, c'était la bonne décision. Mais non, il la sort, la tête. Ok, mais là, moi. La frappe puissante, putain. Ok, pourquoi pas. Je l'enroule. Elle est pas mal. Allez, mets-la moi. J'ai pas de vitesse, mais je vais tenter. Allez. Allez, c'est bien fait. Quel bon boulot! Quel bon boulot! La passe décisive à la dernière seconde. Oh là là, ce qu'il a pris là. Le bon décalage. Et là, enfin, on finit. Enfin, le gardien se trouve un tout petit peu dans ce match. Et il peut être dégoûté, hein, parce qu'avec les arrêts qu'il a fait là, on arrive a gagné ce match. Magnus, Kofod, Andersen. Il aurait dû encore avoir 4 noms en plus. C'est pas assez. 3. Incroyable. Victoire 2-1. Sur le finish. Franchement, j'y croyais pas. J'ai tenté ce dernier ballon. J'avais plus d'énergie en plus. Mais je m'en suis tiré, heureusement. Et après, je le mets bien. Donc, un but, une passe D contre Genoa. On leur passe devant. Et là, on vient faire peur à Cagliari. C'est parfait. On va voir, mais niveau stats, je pense qu'on a énormément tiré en seconde période, hein, par contre. Ouais, voilà, on est passé devant 13 tirs à 8. On a la possession également. 8-5 de notes, c'est pas dégueu. Cagliari, par contre, ouais, ils ont gagné, ça, c'est sûr. Bien joué. Oh là là, incroyable. Super bien. T'as vraiment fait du bon boulot. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Oula, qui? Ok, je savais même pas qu'il y avait ça les gars cette année. Ah, c'est conférence de presse, ma première. Ça va ou quoi l'équipe? Ah non, en fait c'est avec l'entraîneur, pardon. C'est celui-là l'entraîneur, c'était l'entraîneur adjoint qui me parlait. Ok, bon. On était faire une conférence, on n'a pas parlé, mais en tout cas on a été la faire. Je suis pomme du match, c'est étonnant par contre cette fois. Pour une fois, je m'en plains jamais, mais là c'est bizarre. On a 3 points de compétence. Juste avant, on va voir le classement. On est du coup second avec 25 points à 4 points de Cagliari, du coup, qui sont à 29 points. Eux, ça va être compliqué d'aller les chercher. On va tenter quand même, mais de toute façon, c'est pas fini. On est qu'à 12 matchs. On va se mettre nos petits points de compétence. Je pense qu'on va mettre de la vitesse. J'hésite. Qu'est-ce que je pourrais mettre sinon? L'étoile de geste technique, elle est loin quand même, mais c'est vrai qu'elle ferait plaisir. Mais on va d'abord mettre la vitesse, je pense. Comme ça. Et on va mettre un agilité, voilà, comme ça. C'est pas mal. Ok, pour ça, on est bon. Du coup, on peut passer au prochain match tranquillement, je pense. Je vais pas m'entraîner, je pense. Pas besoin, on est déjà titulaire. Ouais, quoi qu'en vrai, autant le faire. Ok, tout simuler. Au moins, on est sûr d'être titulaire pour les prochaines rencontres. On simule jusqu'au match face à Palerme. Sûrement l'avant-dernier de cette vidéo, les gars. Ce serait bien de gagner. Palerme, ils sont combien? Ok, 11e. C'est du milieu de classement, milieu de tableau. Donc, il va falloir faire gaffe. On sait jamais. On y va pour cette rencontre. Allez, grosse rencontre. On vient en costard. Meilleur buteur de série BKT, les gars. On ira voir ça après, mais ça fait plaisir en tout cas. On va aller se battre d'ailleurs ce record, hein, je le répète, de 38 buts, ce serait cool. En vrai, il reste encore du chemin pour ça. Il va falloir pas mal de triplés. Et notamment, peut-être aujourd'hui, face à Palerme. On y va. Oh, le beau ballon, faut faire gaffe. Là-dessus, ça leur revient dessus. Oh, quel arrêt réflexe du gardien, magnifique.
Je peux repartir dans son dos. C'est bien fait. La feinte, deux frappes, je rentre dans l'axe et j'enroule. Oh là là, prends le pied droit. Il est pas bon, et ouais, mais désolé frère, hein, je peux pas être bon partout. Hein. Ok, je suis passé. Très bon dribble de ma part. On revient. Encore. Bien. Oh là là, quelle action superbe de fond en comble. Et le but de Tcherichev. Je suis ni à la conclusion, ni à la passe D. Mais en tout cas, je suis très bien impliqué là-dessus. D'abord, une belle course de ma part. Après, j'ai pu revenir. Il me la remet. Je la remets très bien. Et là, il se retourne. Et bim, une touche magnifique. Ok. Oh, dommage. Ça aurait pu faire une petite action parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette première période. Les gars, on mène à 0. 1-0, pardon, heureusement. Mais ouais, pas énormément d'action. On se contentera de ça. Putain, je ne sais plus parler, c'est fou. On va voir au niveau stats ce que ça donne. 5 tirs à 3, mais bon, les tirs, les gars, franchement, je vous les mets même pas, je pense. Hein. Ils sont 10 mètres à côté. C'est vraiment histoire de tirer. On va reprendre. Il faut qu'on continue, on garde ce score ou alors l'améliorer, mais en tout cas, il faut qu'on gagne. Allez. C'est pour moi, ce genre de ballon. Le double contact, en retrait. Oh là là, magnifique, la super passe décisive. Il fallait donc un éclair de génie pour pouvoir marquer. Et c'est ce que j'ai fait, voilà. Le double contact qui l'a un petit peu perturbé. Et j'ai pu du coup attendre l'appel de Tcherichev pour qu'il puisse venir s'offrir son doublé parfaitement bien servi. On est très bien. Ok, dans l'espace. Bien. La frappe enchaînée, ça me revient dessus avec un peu de chance pour m'offrir mon doublé. Magnifique. Incroyable. Ok, il veut pas célébrer le joueur. Allez, il faut faire un truc. Ok. Eh bien, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Mais en tout cas, c'est dedans, c'est l'essentiel. Voilà, ça me revient dessus. Il avait pas qu'à me la remettre. Et après, je la finis très bien. C'est pas mal. Quel contrôle. Et après, la frappe enchaînée, pas mal du tout. 3-0, les gars. Ça devrait être bon pour ce match. Je la tente. Oh là là. Voilà, c'est terminé. 3-0, les gars. Ah non, pourquoi je dis que j'ai mis un doublé? J'ai mis qu'un but. Deux passes D en fait, je crois, non? Non, un but, une passe D en fait, non? Pourquoi j'ai dit doublé? Je suis bête ou quoi? Non, non, un but, une passe D. Ok, comme au match d'avant. Parfait. J'en demande pas plus. Hein, tant qu'on gagne, moi ça me va. On les a surdominés. On va voir si ça a bougé niveau classement. Avant de s'attaquer à ce dernier match, en tout cas, on est homme du match. Ça fait plaisir. Cette fois-ci, du coup. On va s'entraîner. Tac, tout simulé. Ça c'est fait. On va continuer déjà les gars jusqu'au prochain match. Au moins c'est fait. Voilà. Et au moins niveau classement, c'est bien mis à jour. On est donc second avec 28 points. Cagliari qui a perdu. Ça c'est de la nouvelle, les gars. Enfin, je pense qu'ils ont perdu. Ouais. 3-2 contre Parme. Et du coup, on revient à un seul point de, ben, du coup, des premiers. Faudra les affronter. On verra si on les affronte dans longtemps ou pas. Pour pouvoir leur passer devant, je pense. Tcherichev, auteur d'un doublé. Les stars de la semaine. Est-ce que j'en fais partie? Non. Il n'y a même pas Tcherichev. C'est fou. C'est bizarre. Y. Jeffreys se montre excellent. Pardon. Assigné de super prestation. Ok. Leader. Les supporters espèrent qu'il pourra maintenir un tel niveau pendant le reste de la saison. Magnifique, ok. Tout le monde est content. Et du coup, on va finir avec ce match face à Citadella. Citadella qui sont combien? 13e, je crois que j'ai vu. Non. 18e, ok. Ils sont relégables presque. Donc, on verra ce que ça donne sur le terrain. Je pense qu'ils vont avoir faim. On verra bien, les gars, on s'attaque à ce dernier match face à Citadella. Allez les gars, dernier match. Les râteaux sont là pour nous procurer
la meilleure pelouse possible. Il y a du monde, putain. C'est la fête. Ah ouais, affiche Ligue des Champions. Putain. En vrai, c'est stylé, les petites animations qui mettent comme ça. Ça fait la diff. Il fait beau, en plein après-midi. Il nous faut cette dernière victoire pour finir parfaitement cette vidéo, ou en tout cas, presque parfaitement. Attention. Ah, cette frappe-là! Bien. Ok, le petit décalage. En talonnade! Et la frappe première intention qui a failli passer. Allez. Ok. Pourquoi pas cette tête qui passe pas loin? Pas mal, je m'appuie dans l'axe. Très bien fait sur le côté, ça. Ok. Encore, je la décale. Oh, juste à côté. Dommage, putain. C'était bien réalisé de notre part. Putain, dommage, hein, ouais. Encore, ça revient dessus. Mais heureusement que notre gardien est vigilant. Allez. Pourquoi pas. Ce beau ballon. C'est la dernière action. J'y suis. Je l'enroule. Ah, trop centré. Peut-être sur le corner. Avant de rentrer au vestiaire. Applique-toi. Oh là là, mais ils m'ont gavé avec ces corners au premier poteau. C'est pas possible. C'est pas fini. Faut tirer. Oh là 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 là. Ça passe pas loin encore une fois. Mais on marquera pas pour cette première période, les gars. 0-0. Franchement, c'est pauvre en occasion. On va pas se mentir. Là, sur la fin, on en a eu quelques-uns. Oh là là. Benevento qui mène le score face à Cagliari. Ce serait incroyable si on leur passe devant en fin de vidéo. Mais pour ça, faut s'assurer cette victoire. Allez. Non, il me sort. Quoi? Pourquoi? Est-ce que je regarde la fin du match, les gars? Ouais, c'est mieux, je pense. On va la regarder. On sait jamais s'il se passe un truc. Il reste 10 minutes. Pourquoi pas le corner? Allez. Une tête. Oh là là là, ré. On continue, les gars. C'est bien, c'est bien. Allez, second corner. Ça peut le faire. Je crois en vous, les gars. Ok, on la joue à deux. Pas mal. Ok. Oh putain, c'est fou. Troisième corner. Décidément, ça s'arrête pas. Est-ce que ça va la rejouer à deux? Ok, c'est joué encore une fois à deux. Allez, en dehors de la surface. Petit décalage encore. Oh là 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 là. Le but de la délivrance. C'était donc moi le problème dans ce match. Fallait pas se casser la tête. Et quelle finition de Modolo. Personne n'a compris comment c'est rentré. Mais en tout cas, ça rentre. Et je crois que si Cagliari reste sur ce score-là, on passe devant. On va voir ça. C'est quoi? C'est une balle piquée sans regarder. Et le gardien, pourtant, il y va, mais... Ouais, il y est pas, hein. Incroyable. Maintenant, il reste plus qu'à tenir ce score, les gars. Il nous reste 6 minutes. Je crois en vous. Allez, on se dirige tranquillement vers cette victoire. 1-0. Mauvais match de ma part. C'est mérité. Je me suis fait remplacer. Après, est-ce que j'avais les ballons pour faire quelque chose? Je suis pas sûr, mais en tout cas, on gagne. On va dire que c'est l'essentiel, le collectif. Parce que là, l'individuel, c'était pas ça du tout. On va voir du coup, surprise et la défaite de Cagliari. Merci Benevento. Ah ben là, on peut mettre de la musique dans les vestiaires. C'est mérité. On va voir ça au classement. Voilà les gars, comment mieux finir une vidéo que ça. Premier de ce classement avec 31 points. 29 points pour Cagliari et 27 pardon, pour Ternana. Ok. Eh bien, on est très 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 bien. En tout cas, on va s'entraîner juste avant de finir cette vidéo. On va également check les infos juste après avoir mis les points de compétences. Hop. Je pense qu'on va mettre ça au niveau peut-être des mauvais pieds. Je sais pas si c'est possible. Ok, c'est loin les mauvais pieds. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je pense qu'on va mettre ça pour ensuite aller les chercher, ouais.
Reste à jouer comme ça. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que on peut faire d'autre? Toi, les infos, j'avais dit. Donc ici, info. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Modolo marque son premier but. Et putain, qu'est-ce qu'il était beau ce but. Très important. On a également le rival battu. Incroyable. Voilà, 1-0. Bon, ils auraient pas dû me mettre à moi en tête d'affiche. J'ai rien foutu. Mais en tout cas, on s'en sort avec une victoire, les gars. Une victoire très importante pour la suite du championnat. Mine de rien, on est déjà presque à la moitié de la saison, 4 épisodes, comme quoi ça va très très vite. Donc, il faut qu'on continue comme ça. On verra dans la prochaine vidéo le calendrier. Je vous spoil pas, même si on a vu un petit peu la moitié, parce qu'on n'a pas fini un mois entier. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, les gars. Merci pour votre soutien. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et commenter pour me donner votre avis sur ma carrière et ce qui se passe à l'intérieur. Merci à tous les gars, et moi je vous dis à la prochaine.